Est-ce que tu t'es déjà fait bloquer un compte Facebook, un compte publicitaire? Eh ben, si tu fais de la pub sur Facebook, forcément, ça t'est arrivé à un moment. Et là, il y a ce gars-là, Web de Fou, qui a sorti une formation qui explique comment débloquer un compte Facebook Ads. Il t'explique comment le débloquer et j'ai acheté la formation. Donc, je te montre en vidéo ce dont il parle. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Donc, les secrets d'un compte Facebook débloqué, pardon. Donc, il y a plusieurs parties. Donc, en fait, il t'explique d'abord la théorie. Il va t'expliquer les différentes étapes comment dire, à mettre en place pour prévenir. Il y a des étapes à faire en amont, en fait. Avant que tu commences à faire avant de faire une seule pub, il y a tout un tas de trucs que tu dois savoir. Si tu les fais pas, t'es mort, en fait. Et lui, ce gars-là, c'est un gars qui génère des millions, qui est vraiment, comment dire, à une haute échelle dans le business, qui fait des prestations pour des tiers, etc. Et il est expatrié. Il vit à Dubaï, et ce qui fait que il a dû, alors tu vois, à Dubaï, faire la publicité sur Facebook, c'est possible, mais il s'est fait bloquer plein de comptes. Ce qui fait que ça l'a amené à chercher tout un tas de méthodes, tout un tas d'alternatives pour pouvoir pallier à ça. Et donc, c'est ce qu'il présente dans cette formation. Donc, il y a une partie théorie, il t'explique vraiment comment ça fonctionne déjà. Après, il t'explique comment tu vas faire pour créer ton compte avec d'une manière qui soit sécurisée, qui te permette de ne pas te faire bloquer au moins un problème. Tu sais que c'est pas que Facebook est chatouilleux. Et du coup, si jamais tu fais pas ce qu'il faut, il te bloque ton compte et puis après, t'es coincé, quoi. Et si tu utilises un compte Facebook pour faire de la pub et que ton business il dépend de ça, franchement, t'es vraiment embêté, quoi. Et du coup, après, il te montre les différentes techniques. Il te montre après les techniques à utiliser pour créer tes pubs sans avoir de problème, pour prévenir tout ça. Attends, je vais couper le son pour pas avoir. Hop. Il te montre tout ça, donc il t'explique, tu vois. Tu vois le bazar qu'il faut mettre en place. Donc c'est simple quand tu sais, ok. Quand tu sais, c'est simple. Donc il t'explique ce qu'il faut faire pour pouvoir être bloqué, comment faire quand tu as besoin. Et puis après, quand ton compte, si jamais ton compte il est désactivé, il te montre les trucs et les outils que tu peux utiliser. Donc, écoute, moi je connaissais déjà des techniques pour débloquer des comptes Facebook, puisque je fais de la pub pour moi, pour des clients. Mais là, il a poussé un cran au-dessus. Un cran au-dessus, vraiment. En fait, ce gars, il a été en contact. En fait, il expliquait que à Dubaï, le support Facebook parle français, arabe et anglais. Et du coup, tu peux les appeler, et il a rencontré une personne qui bosse chez Facebook, qui lui a expliqué comment ça fonctionnait. Et alors lui, il dépense plusieurs dizaines de milliers, il a des comptes, il a plusieurs dizaines de milliers d'euros de dépenses chaque jour, ou chaque semaine, ou chaque jour, ou chaque semaine, je ne me rappelle plus. Et ce qui fait qu'il a vraiment poussé vraiment loin, quoi. Alors toi, même si tu as des dépenses qui sont plus modestes, même si on n'est pas à 10 000 euros par jour, vraiment, c'est intéressant de connaître les techniques déjà pour prévenir le fait que ça arrive. Et puis, si jamais ton compte est bloqué, qu'est-ce que tu peux faire en dernier recours? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, je peux te dire que tu es à là. Donc, si tu veux y accéder, donc sa formation, je t'ai mis un lien après, tu peux y accéder. Donc, c'est une formation en ligne qui est très, très simple à appréhender. Et donc, il t'explique vraiment sa méthode de A à Z. Il te montre comment, donc c'est filmé, il te montre son écran, il te montre comment faire. Te montre comment il récupère son compte Facebook. Il te montre aussi toutes les erreurs que tu ne devrais pas connaître. Il t'explique aussi que lui, il l'a fait pour plus de 24 comptes. Comme il ne vit pas en France, eh bien, il a eu tout un tas de soucis, de litiges, donc il a dû mettre en place des procédures. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il vend après aux entreprises. C'est une prestation de sécurisation sécurisation, ça dit, qui va aux entreprises. D'ailleurs, une fois que tu sais le faire, tu peux aussi proposer ce genre de formation. Et ben voilà, écoute, moi je recommande, très intéressant, très intéressant. Voilà, donc je te mets un lien juste après pour que tu puisses y accéder. Donc si tu te demandais ce que ça valait, écoute, moi je peux te dire, tu peux y aller les yeux fermés. Allez, ciao.